Mesdames et messieurs, TV la caille Haïti.com, nous comptons rejoindre nous encore une fois pour nous porter vidéo ça pour vous. Et nous disons grand merci à tous les amis compatriotes qui toujours été connectés sur channel ça. Nous pas parler trop, on aller directement dans information. Opération choc la police dans commune Croix des Bouquets, précisément dans fief L'Homme sans jour, base 400 Maozo. Pourquoi n'a parlé là? C'est garçon pas campé, mesdames et messieurs. Et bien, divers chablins de gros âmes fan foi, la police acclamée d'Haïti qui mobilise là pour envahir, et bien, pour mettre yon côté L'Homme sans jour. Et bien, pourquoi n'a parlé là? Faut que nous disions, bagala vraiment, vraiment compliqué pour 400 Maozo. Parce que L'Homme sans jour, et bien, côté monsieur caché, mesdames et messieurs, faut que nous disions, bagala red. Bagala red dans ces petits soldats, et bien, qui, et bien, ont même tenté de péter coup de balle avec la police et population qui ont même vraiment en danger parce que, ou pas connait qui côté on balle marron qui a sorti et puis la game on a terre et ben faut que nous dire depuis où la batoie faut que sans couler c'est comme ça bagalaye et ben la police là la médaille bagala red parce que Nomil Rameau là qui c'est nouveau DGPNH là monsieur mais cementé li pap kite nèg sa yo dormi même li pap kite nèg sa yo en paix la pan taquiner nèg yo jusqu'à ce que et ben mette bagay nan men nèg yo et nous va inviter au gain détail tout sur comment ça y chef gang barbecue assassin criminel faut que nous di ou tout nan moment n'a parlé là barbecue paniqué n'a pour ces derniers temps monsieur sorti en pile audio en pile vidéo tellement l'a parlé l'a dénoncé la police l'a dénoncé et policier qui donc barbecue tellement paniqué et ben monsieur là c'est malette il a fait pour quitter pays parce que force Kenya pour rentrer dans jouk ap vini là et depuis force la rentrer ou connaît nèg ça c'est premier nèg qui pral tomber c'est barbecue iso et L'Homme sans jour Chris là et tout nèg ça ou ti la pli c'est des nèg ça qui pral tomber là parce que c'est eux même cap fin craser pays a ak politicien gang yo et puis gros bourgeois malhonnête capan et ben fourni nèg sa aux am ak munition pour faire ou faire kidnapping séquestrer moun fait tout ça qui mal et ak population haïtienne nous pral invite au gain détail rete connecté bon écoute tout moun n'ap tourner nous pral parler de et ben la police acclamé divers sablende près de 10 sablende qui envahi commune Croix des Bouquets déjà gèlè là nouveau DG Nomil Rameau déjà mette pied la terre depuis hier là vers les 5h du soir dimi bataille envahie, la police envahie, des morts, des blessés, et jusqu'à présent, la police il est liée. Et sans oublier, conflit qui déclenche déjà, dans le ghetto là, déjà, Chris là avec Frère là, une prêt pour tout et l'autre, et bien déjà, Dini, en dents, Tibra, déjà, il y a plusieurs victimes, mon frontement commence à quitter la caillou, donc voilà, compliqué là, entre Chris là avec Frère là, quelques heures avant atterrissage, force Kenyan là, déjà, en pile suspense, là, au pont international, sous son ouverture, là, en pile caméra, déjà fixé, il y a tant de les prochaines heures qui s'accroient gagner. Donc, en pile courir, là, dans la rue, là, côté que, population, il y a fixé, qui s'accroient gagner dans les prochaines heures. Bon, c'est sûr, c'est très bien. On est déjà rentré avec opération que la police a mené pour pas dire l'armée d'Haïti. Monsieur yo a mené, nous t'étions déjà tant d'informations, comme quoi que eux-mêmes, l'armée a été dit que eux-mêmes, yo en mode 2, et yo préparé. Donc, qui ça a passé, et dans qui zone exactement, et la nôtre, pour nous comprendre bien, dans le cadre et préparation que t'as faite, et frère. Eh bien, n'a pas commencé avec information qui là concernant déploiement plusieurs et bien centaines militaires FADH mélangés avec la police plusieurs unités non qui fait partie de la police là côté qui ont déployé au niveau commune Croix des Bouquets depuis hier dimanche là et à présent opération a mené déjà mais soit envahi fief L'Homme sans jour n'a pas bloqué de même c'est à travers cette vidéo qui nous a donné dernièrement là. Eh bien, zone Croix des Bouquets, là, qui est logement plusieurs bases gang, tant que Tidjef, tant que L'Homme sans jour, et ils ont parti tout au niveau commune d'Abbas. Et nous, capables de dire, on a parlé de la Dimi, Nomil Rameau, décidé de faire premier, et mettre pied à la terre, eh bien, déjà, nous, et en pile chablène, mais qui envahit zone Carrefour Marassa, zone Saola Dimi, zone Santo, eh bien, et zone ça déjà envahi, la police, l'armée, il a essayé de marcher. Sous L'Homme sans jour, et déjà, nous gagnons information, pas gagné un monsieur qui tombait, il y a arrestation qui s'est fait. Donc, jusqu'à présent, la police est toujours présente. Donc, nous connaissons Gary Colin, déjà parlé, c'est du jour bandit arrivé. Donc, Jimmy, déjà, et d'après ce qui a passé là, le Croix des Bouquets, la police mettait bien la tête,
Donc, opération qui a mené, eh bien, en plus suspense au niveau commune Kouadé-Bouquet. Donc, est-ce que nous connaissons, est-ce que tu as gagné, bon, on parle des bandits, est-ce que tu as gagné des bandits qui t'ont mouru, est-ce que tu as gagné des civils? Parce que, faut nous attendre à ça, mesdames, messieurs, non, jouk ap vini ou là, et attendre nous que ap gagné en pile opération. Ap gagné en pile opération, c'est une raison qui fait que nous-mêmes, nous te prenons la peine, nous te demandons des populations dans la zone ça, quittez zone là. Quittez zone là, en façon pour la police et l'armée à mener opération. Pour nous pas victimes, nous obligés de dire comme ça, parce que dans le jour où nous avons attendons-nous que Abgen en pile opération, et si que nous capables de comprendre quelque chose qui a passé là la note. Bon, nous, la police a déjà acclamé, surtout après ministère de défense, sorti note pour l'armée d'Haïti garder position D, et bien, au pas décidé de prendre Kenya, bien, l'armée a décidé d'attaquer. Et pour nous dire, c'est pas seulement au niveau commune Kouadé-Bouquet, il y a au niveau commune Cité Soleil avec Tabar, zone Kafou Vincent, zone Kafou Nouya, il y a Chablende qui déploie, il y a essayé pour contrôler, on sait des actes pour capable essayer de mettre le contrôle. Donc toutefois, et ça qui a passé là, déjà prouvé à clair, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, eh bien, monsieur, si j'ai là, il y a eu la pape de fouille, mais nous, tout déjà, Jimmy, il est chef d'un gouvernement ensemble, il pas de Q qui t'a déjà demandé dialogue, qui est prêt pour dialoguer avec le gouvernement, si toutefois il est prêt pour les exemples. Donc, si on chale, comment c'est mettre là, mais cela, il est temps, comme il est senti, il n'a pas tout fouillot, donc ça a demandé dialogue. Mais toutefois, gagner, vu ils sont qui prennent tout, donc c'est quelque base, on prend un coup, on prend un coup, ils ont des silences, ils attendent, et pour être capable d'affronter les forces kenyanes. Mais la police, l'armée, c'est que c'est une très bonne nouvelle. La police l'armée, comme c'est depuis la tête, et chef police là, Nomine Lamo, lui dit lui-même, il n'y a pas reprendre la nouvelle droite, lui commence à attaquer, et pour les communes, il commence à attaquer, c'est commune Kouadé-Bouquet, commune ça qui gagne. L'homme sans jour, qui gagne vite l'homme en bas, qui gagne chef d'un canard, c'est Jeff Gouloua qui en bas, et sans oublier chez méchant tout. Donc pleinement là, parce qu'elle n'a pas douce, il y a des gens qui commencent à quitter, et on commence à évacuer par rapport avec, eh bien, force de force qui gagne. Donc nous pensons Jimmy, là, son grande première, mais toutefois, et dans les prochaines heures, elle va être plus difficile, mais il y a des gens qui commencent à quitter. Zone Kafou, Fontamara, les gens commencent à quitter, les gens commencent à prendre une province pour eux. Donc, voilà, l'IPAP 12, d'après, eh bien, ça nous a déjà commencé à mettre là, et ce n'est pas Kenya, c'est la police, c'est l'armée. Ah, et bon, c'est sûr et certain, et n'a pas suivi bagaille, mais comment c'est pas Kouadé-Bouquet, et mesdames, messieurs, est-ce que c'est pas Kouadé-Bouquet par un petit genre plus facile ou pour pas dire plus difficile, et comme si pour monsieur t'as pris contrôle, comparé à Grand Ravine et là nous même qui connaissons zone nan bien, est-ce que Kouadé-Bouquet stratégie que la police avec l'armée a utilisé pour Kounia là, pour commencer à attaquer et l'anmo sans jour, et nous t'as pris vidéo, mesdames, messieurs, et ça fait un peu bon semaine, vu l'anmo sans jour qui soit disant que t'as vidé Kob, qui t'as baillé Kob, qui t'as moutou quantité Kob qu'il gagne. Donc, zone stratégique Kouadé-Bouquet, hein? Et comment comprendre beaucoup de pauvres? Bon, nous connaissons la commune Kouadé-Bouquet, qui lui-même sont communes par rapport à la position géographique, et de manière stratégique, son zone qui est plus facile pour la police capable d'encercler, contrairement avec village de Kigon qui est en zone côtière, bon, là, mais, contrairement avec Grand Avenue qui est en bas en Fremont, contrairement, bon, Canaan fait partie et Kouadé-Bouquet, tout, mais toutefois, zone au niveau Kafou-Marassa, et les plus accessibles. Mais monsieur, tout le monde commence à couper route dans certaines zones. Donc, lorsque la police décide d'envahir Kouadé-Bouquet, c'est une façon pour capable d'essayer de libérer Kouadé-Bouquet avant Nomine Lamo qui dit, eh bien, côté que la première zone qui a atterri, c'est Kouadé-Bouquet et dans Fief, l'Ambo sans jour. Kafou Marassa nous connaît, c'est une zone qui n'est pas loin avec Kafou-Rita, Kafou-Fleurio. Zone ça yo, eh bien c'est des zones qui ont décidé de libérer avant, mais toutefois, force de frappe, affrontement qui gagne, capable de causer des dommages collatéraux, eh bien nous, beaucoup de populations, tout commence à évacuer. Mais toutefois, Kouadé-Bouquet, c'est une zone qui est plus accessible. Donc, est-ce que ça t'avait dit que la première zone a pu libérer, c'est zone de l'ambassade, côté de l'ambassade occupée, mais toujours est-il. Mais zone bon, c'était commissaire Kouadé-Bouquet, qui est plus au cas pour ça. Zone ça, lui déjà, en bas force de frappe, agent force de notre Dieu, l'armée d'Haïti qui occupe plusieurs blindés. Donc, tout déjà dit,
c'est une bataille qui annonçait la couleur de la République. Donc, en pile projecteur est déjà limé pour capable de garder anéantissement, messieurs, toutefois, mais déjà, il n'est pas facile. Mais l'homme sans lui-même, tout, lui, sans cela, pas par les têtes, mais nous apprenons tout, ça gagne des mouns qui tombent, qui va forcément bandir, mais dans le cas de dommage collatéral, mais bon côté messieurs, tout, ça gagne là-dedans, qui blessé, qui sont tombés, jusqu'à vous d'après premier et le premier élément d'information au niveau la plaine dans la qui donne liquide de sac qui gagne, et parmi une commune, quoi des bouquets qui fait partie. Lors du plein liquide de sac, pas bien dit, dans plein liquide de sac, oui. Monsieur, où est son intelligent? Monsieur connaît, m'gué aura, m'pop quitté, voile passé, comme si pour manipuler civil. Allez dire. Les sorties de barbecue, mesdames, messieurs, ces derniers temps, c'est que sorties, monsieur, pas des sorties par hasard comme ça. C'est des sorties planifiées, calculées, et c'est des sorties très stratégiques. C'est des sorties planifiées par groupe communication, monsieur. Pas oublié, docteur Harrison Ernest, c'est épico conseiller barbecue vivre ensemble. Base vivre ensemble, ça. Et Harrison Ernest qu'on lit. Ok? Chaque barbecue sorti, c'est malveillant. Cap gérer structure là qui fait le sorti pour le parler. C'est pas nèg qui lever non dormi te me parler. Non, yo fait le sorti. Et chaque sorti barbecue, là le chercher prend c'est parti peuple internet là ou bien peuple réel là. Et il gè parole pour le prendre. Parce que nèg yo dit ou gè 3 ans dans communication a bien passé. Moment là, son moment fatidique lié à le chercher support. Parce que jusqu'à présent gè moun qui croit dur comme fait que barbecue pas non rôle va dans gang va dans rien. Mais pas gè moun ki pou di que barbecue gè plus que 200 nèg sou payroll. Personne pa pose tête ni question kout kobza ou sorti. Nèg kap touche 25 000 goud, 20 000 goud, chaque jeudi, chaque vendredi. Environ 200 moun. Le gars est multimillionnaire en peu de temps. Mais, et pas kob l'otan, hein, c'est économie criminelle là. Ça brasse dans les ghettos. Mais gon nèg ki le John Colin Morvan, ki là, qui vous fait historicité nèg yo. Et pour aider les peuples à comprendre toute bagaille. Alors, mesdames, messieurs, les messieurs sortis, là, fait déclaration de ces derniers temps. L'ivre que peuple retourne contre lui grâce à John Colin Morvan, qui sortit, qui décortique chaque action monsieur posée, qui analyse chaque action monsieur posée. Monsieur, un message lui a pas passé avec fracas comme d'habitude. Monsieur dit, là, j'ai un ennemi puissant. Il s'appelle John Colin Morvan. Non. Et pas rien, boss. Nous fait technique policière là, même gens. Nous fait coup capra, même gens en dans ces policiers là. Nous fait judo verbal là, même gens en de capra. Vin fait que, m'bat ou beaucoup parce que m'gé aura tout. Ou même m'gé aura vagabondage. Dans le vagabondage, même on aura, dans le construit citoyen, dans le permettre citoyen pour bonne ligne, bonne route. Parce que je ne pas rêver, ouais, petite personne qui a pleuvé, sorti mal. Je ne pas rêver, ouais, petite aucun haïtien. Entre ni dans gang, ni dans voleur, ni en rien qui mal. Parce que, dans 50 ans, vous Haïti, il y a des citoyens modèles. Parce que, là que, depuis Kounia, nous pas fait Timoun, nous prenons ligne. Pour yon vin citoyen modèle, après 50 ans, nous parlons de société voyou, j'en nous gagne le jour de aujourd'hui. John Colin Morvan veut participer radicalement dans ce changement. C'est pour ça, depuis 200 ans, dans tout niveau dans l'État, m'a gardé si ka gen moun ki honnête. Pour être sur le petit bab ou bien le petit poule boucané.